Coucou les filles, donc c'est encore moi pour la suite de mon courrier qui n'a pas passé sur YouTube hier. Donc ça va, je suis un peu moins énervée. Donc c'était la suite de Sylvie Martin. Sylvie Martin, tu as le numéro 29. Voilà. Je le mets dans mon petit boîte. Alors, tu es sur mon petit carnet. Hein. Voilà. Donc, Sylvie, elle m'avait envoyé de jolies choses aussi. Je vais baisser un peu. Voilà. Elle m'a envoyé déjà une très jolie enveloppe. Regardez. Toute embossée avec des petites flèches. Et sur le noir comme ça, c'est super joli. Super, super joli. Alors. Une petite carte comme ceci avec un dreamcatcher. Oh, je l'ai bien dit. À l'intérieur, son petit mot. Alors, je vais d'abord vous faire voir l'intérieur de sa carte et son petit mot. Alors, elle me marque, c'est la première fois que je participe à un concours, j'en suis ravie. Moi aussi, ça me fait très plaisir. Alors, j'espère que ma carte te plaira car je ne connais pas encore tes goûts. Ben, t'inquiète pas, hein, moi tout me plaît de toute façon. Hein. Elle a repris le scrap il n'y a pas trop longtemps et n'a pas encore tout le matériel. Mais t'inquiète pas, ça viendra aussi. Tu vas voir, le matériel, ça vient assez rapidement malgré tout. Et après, on fait de super jolies choses. Donc, surtout, ne t'arrête pas, continue. C'est super bien. Donc, ça, c'est Sylvie donc, qui m'avait mis sa petite carte. Donc, Sylvie n'a pas de chaîne et son pseudo c'est Sylvie Scrap. Voilà. Donc, elle adore les libellules, les papillons, les attrape-rêves, le vintage, le chabi. Elle aime le violet, le noir, le blanc et la couleur craft. Elle aime tout en général. C'est super. Voilà. Donc, je mets ta carte là puisque après je mettrai en dessous de ma vidéo. Donc, elle m'a fait une petite pochette comme ceci. Alors, je vais essayer de retrouver le bon sens. Donc, je vous rappelle qu'hier, bon, ça avait tellement foiré que ma vidéo, je la recommence. Regardez, c'est super joli avec sa petite attache comme ça. Et à l'intérieur, oh surprise! Elle est jolie cette pochette. Voilà. Elle m'a fait un très joli ATC. Donc sur le fond, elle a collé sa petite pochette transparente. Et pour tirer l'ATC, on l'a fait glisser tout simplement dehors. Et elle est super. Et super bien protégée. Elle est magnifique. Donc un dreamcatcher avec des petites plumes, une petite étoile et un petit love dans le bas. Et c'est là, 2 sur 2. Et elle a été faite le 29 août. Voilà. Le thème, c'est un rêve. Elle est super jolie. Donc voilà, ça c'est Sylvie. Je vais devoir me refaire des pochettes pour pouvoir mettre mes. Je crois que je vous avais fait voir comment je faisais, mais je ne me souviens plus en fait si je voulais pouvoir ou pas. Du temps carte internet. Alors moi, où je n'ai pas internet, hein. Voilà, ou ça merde quoi, comme toujours. Mais j'espère quand même que je vais pouvoir remettre mes vidéos en ligne parce que sinon, bah, je vais devoir aller chez mon fils et mon fils a mis de l'autre côté d'Agen. Donc voilà. Il vient demain. Ensuite, elle m'a mis plein de jolis papillons. Je vous montre ça. Donc elle m'a mis deux grands papillons comme ceci. Moi, je ne les avais pas achetés, ces papillons. Et j'ai déjà quelqu'un qui m'en a envoyé aussi. Ils sont super beaux. Moi, j'avais pensé faire une suspension pour un lit de bébé, par exemple. Et regardez, elle m'a mis plein de papillons en dentelle comme ceci. Ils sont super jolis aussi. En noir, en couleur. Ils sont super beaux. Pour mettre aussi sur des créations, c'est super joli.
Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a fait plein de découpes. Alors, je me bats toujours avec les enveloppes. Du coup, il n'y a plus le joli washi qu'il y avait dessus. Alors, elle m'a fait des petites découpes étiquettes comme ça, c'est toujours utile. Elle en a fait plusieurs. Hop, je les attrape. Bon, voilà, toutes les petites découpes étiquettes comme ça. C'est super intéressant quand ils vous mettent ça sur une carte. Moi, j'adore. Je vais essayer de... Du coup, je ne veux pas traîner pour mes vidéos, c'est dommage. Moi, je voulais prendre mon temps, largement mon temps, mais là, je sais pas du tout ce qu'il y a. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Donc, je vais vous faire voir. Regardez comme c'est joli. Moi, j'aime bien les couleurs en plus. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Je vous approche un peu une plume. Les couleurs de fond sont superbes. Donc, bleu comme ça en plus, c'est vrai que c'est superbe. Et elle m'a mis, alors, ce die. Je dis ce die parce que je vais vous dire pourquoi. Je l'ai, ce die, il est super beau. Il est super beau. Alors, je vais le mettre comme ça, peut-être. Moi, je m'en sers assez souvent et surtout à la Saint-Valentin parce qu'il est que beau, que beau. Regardez. Voilà. Ça, c'est un die avec toutes ces formes-là dedans. Donc, on peut faire plein de choses avec, en fait. Et ça, pour faire des petits cadres, là, c'est super beau, Nathalie, des petits cadres comme ça pour tes chabis, là. C'est super joli. Voilà. Donc, ça, c'est donc Sylvie, que je remercie énormément, Sylvie Scrap. Voilà, je suis désolée parce que l'effet de surprise n'est plus vraiment là, mais moi, j'adore tout ce que vous faites. Je suis enchantée. Enchantée de vos courriers que je reçois parce que tout est magnifique, tout est bien fait, tout est minutieux. On voit que vous y mettez beaucoup du cœur et voilà, je peux vous dire que merci. Que merci parce que je pense pas avoir tant de monde à mon concours et ça fait énormément plaisir. Alors, une personne à qui j'ai fait le concours m'a envoyé. Alors, je vais vous le dire, son nom, c'est Dalila Gongalves. Parce que je dis toujours à l'envers. Dalila Gongalves. Alors, c'est pas pour le concours, hein, mais elle a répondu à un courrier que je lui ai envoyé. Elle demandait de faire comme dans le temps, c'est une espèce de défi, hein, de faire un courrier comme dans le temps, quand on écrivait encore aux gens, pardon, quand on écrivait encore aux gens et qu'on passait pas par Internet. Et de faire un courrier en se présentant, en donnant des nouvelles, comme si on parlait à une parente, par exemple. Hein. Donc, regardez, là, c'est plein, quoi, de chaque côté. Hein. Donc, moi, j'avais relevé son défi, je lui avais envoyé un courrier, je lui avais envoyé dans une... Je lui avais fait aussi une jolie petite carte. Et elle, en remerciement, bah, elle m'a envoyé des petits... voilà, des petits embellissements, il y en a plein, hein. Elle est super gentille. Alors, cette dame, elle est sur Instagram. Donc, je n'ai pas son... Je n'ai pas sa petite fiche. Non, je n'ai pas ce que... Parce que je n'en demandais pas. C'était pas pour mon concours. Mais elle m'a envoyé plein de petites choses. Et je voulais le faire voir quand même. Donc, elle m'a envoyé plein de goodies. Voilà. Hop. Je les mets ici. Plein de petits goodies, comme ça. En remerciement de la lettre que je lui ai fait envoyer, que je lui ai envoyée. Et moi, je trouvais que c'était une super bonne idée. Parce que c'est vrai qu'on ne s'écrit plus assez. On ne s'envoie plus de messages. On ne se fait plus de courrier. Tout est par Internet. Regardez, sa petite pochette, elle est juste trop belle. Et voilà, c'est bien dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Et là-dedans, elle m'a mis plein de petits... hop. Voilà. Elle m'a mis plein de petits goodies comme ça. Il y en a plein. Donc voilà, c'était un petit coucou à Dalila Gongalves. Est-ce que c'est moi? J'espère que je ne cherche pas trop ton nom.
pour lui dire bon ben un grand grand merci, hein, c'est super sympa parce que voilà, moi je suis sur Instagram aussi, donc je côtoie des gens là, et puis quand je vois des fois qu'il y en a qui lancent des petits défis comme ça, ben, je les fais quoi. Donc c'est un peu pour ça que j'étais débordée cette semaine. Là, je suis en train de vous préparer une vidéo sur une carte marque-page. Mais là, ça fait 3 fois que je recommence mes mesures parce que je veux trouver exactement les mesures que je veux. Donc, je fais une vidéo là-dessus que je vous mettrai prochainement si ça veut bien prendre. Et puis voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que comme ça, je suis sûre que ça passera. Enfin, j'espère. Bah, le facteur n'est pas encore passé. Hein. Il y aura peut-être d'autres vidéos par derrière. Hein, je ne sais pas parce que j'ai encore eu pas mal de demandes pour participer à mon concours. Donc, les filles, dépêchez-vous parce qu'il vous reste beaucoup de temps. Mais je vous ai dit, hein, je prends jusqu'au 27, il n'y a pas de souci, jusqu'au 27 pour la poste, jusqu'au 30 pour le concours. Mais le 27, le cachet de la poste se fait en fois, comme ça, voilà quoi. Hein, c'est pas non plus. Je ne vais pas faire un tirage au sort et dire, ah bah tiens, il y a du courrier qui arrive, je le mets dedans. Non, non, j'ai donné une date précise, donc voilà, qu'on respecte. Voilà. Bon, allez, je vous aime toutes et tous. Et je regrette un peu qu'il n'y a pas au moins un monsieur dans mon concours, ça m'aurait fait plaisir. Mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je remercie donc Sylvie. Sylvie, donc Michel et puis Annick. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, je vous laisse parce que sinon, ça va être trop. Bisous, bisous. À plus.